voici dans le sixième épisode de Vita Inmutabilis. Alors, donc on voyait Dubnorix se diriger vers Naissos, mais pour l'instant il n'est pas en guerre. Alors, je vais quand même faire bouger Antoine. On sait jamais. Je vais envoyer Antoine à Thessalonique. Enfin, vers le nord, à Pharsale, voilà. Parce que c'est l'hiver, donc il vaut, on a peu. Quand c'est l'hiver, je sais pas si ça se voit ici, on verra. Voilà, je vais à Pharsale. Qui est toujours Ah non, qui est en Macédoine. Voilà, l'hiver, on a des malus. Moins 3 d'ordre public partout. Ah oui, alors. Non, voilà, c'est bon. Voilà, Pharsale a gagné 8. Et c'est en Macédoine. Alors, on va quand même. Il y a de la cavalerie, apparemment. Dresseur de chevaux. 5 de nourriture. Donc, je vais quand même faire. À Pharsale, je vais mettre une ville là. Alors ça sert à quoi, ça? Un légionnaire, des chevaux de niveau 1. Ah, peut-être que ça joue sur... Eh oui, bien vu. Ça joue sur ta cavalerie. Alors, on va l'améliorer. Ah bah, ça coûte... Entraîner de nouveau, réentraînement impossible. Ah non, ils ont déjà, d'accord. J'ai rien dit. Bon, alors... On sait jamais, je le mets à faire sale. Je n'éloigne pas non plus, évidemment, du théâtre africain, parce que c'est là où nous allons maintenant mettre le plus gros de nos efforts contre une légion romaine. Alors, ma flotte... ne peuvent pas commencer les batailles, mais elles peuvent y participer. Alors je vais la mettre. On va les attaquer en sandwich. Alors je vais mettre ma flotte ici. Je sais pas si elle attaque la ville. Oui. Je pense. Et mon armée d'infanterie. Est-ce qu'elle peut lever encore des forces? Eh oui. Alors est-ce que j'ai de l'argent? J'en ai pas beaucoup, mais ce sera une bataille, quoi. Il faut pas hésiter. Parce que là, on va combattre pour attaquer. Enfin, pour Leptis Magna. Et on va combattre en plus. L'armée de l'épide. Bon, alors l'ordinateur, l'intelligence artificielle me fait nettement gagnant, mais bon, il y a quand même, donc il y a Marcus Emilius Lepidus lui-même, il y a Appius Artorius Fullo avec son armée de garnison qui contient quand même un légionnaire vétéran, et puis la petite flotte de Tibère Liburnius Bassus. Et moi, j'ai à la fois Lucius Antonius, le frère de Marc-Antoine, qui est mieux gradé que Lépide, et puis l'amiral Gaius Sosius. Voilà. Je vais sauvegarder avant de commencer la bataille. Et on se retrouve sur le champ de bataille. Bien, alors j'ai placé mon armée... On va écouter. Oh, mais tais-toi. L'ennemi est faible et nous sommes forts. Ne laissez pas passer cette occasion de gagner facilement. Préparez-vous. Alors, j'ai mis de la cavalerie ici, la cavalerie légionnaire prête à intervenir. Ici, la cavalerie auxiliaire, mercenaire numide par ici.
pour créer surtout la peur dans les rangs quand on va commencer le combat. J'ai mis 3 unités de légionnaires ici, 3 unités de légionnaires ici et 2 ici. Voilà, donc on va avancer ici. Les vélites aussi vont s'avancer. Les javelots mercenaires. Augmentez la vitesse. Voilà, et ma flotte, elle. Alors, je vais aller dessus, voilà. Elle va intervenir par derrière, bien sûr. Bon, Lucius avance. Donc il faut qu'on arrive. Voilà. Alors par rapport à... Comment ça s'appelle, à Empire et à Napoléon. C'est pour ça que sur Empire et Napoléon, j'avais un peu de mal. C'est qu'ici, quand on bouge une troupe, voilà, par exemple, quand on met les troupes, les trois légionnaires, si je les mets là comme ça, et ben automatiquement, elles vont à toute vitesse. Donc je peux, là c'est le contraire. Si je veux, je ralentis la vitesse. Par contre, si on leur dit d'aller là, là, ils vont au pas normal. Ça dépend comment on leur demande d'avancer. Alors, je vais avancer le légionnaire par ici. Je sais jamais. Ils vont rentrer ici, par là. Suivi du javelot numide. Ici, les vélites vont aussi venir par là. Alors on voit qu'ils ont mis leur force ici. Première cohorte, voilà. Et la cavalerie. Va avancer par là. Donc ils se sont mis là, très bien. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas trop si on peut tirer à distance avec les navires. On va faire des essais. Puisque ça, ce sont des navires voilà, qui peuvent lancer des projectiles. C'est pas la peine, à mon avis, de les envoyer combattre tout de suite, en tout cas. Rentrer dans le port et on va voir, comme eux ils ont mis leur navire à quai, voir si on peut tirer à distance ou pas. Ça c'est, j'ai pas l'habitude, je ne sais pas. Prenez les rames. Nous attendons vos ordres. Navire de soutien, paré. Voilà, ils peuvent. Oui, ils peuvent, c'est bien. Voilà. D'accord. Donc, je vais aller prendre dans la flotte les deux grandes... les artilleries, quoi. Elles vont se mettre ici. Voilà. Donc ils ont... on leur tire dans le dos. Et ils peuvent pas nous attaquer. Navire à votre commandement.
Bien, ma cavalerie Numide va avancer. Les gros navires de... Bon, ça, on les chasse de la place. Voilà. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, maintenant, on va rentrer dans la ville avec l'infanterie. Alors, donc ça c'est la grosse infanterie, hein. Première cohorte et infanterie de mêlée très lourde. Donc celle-là, je vais les faire aller par ici. Les hommes sont hésitants. Qui ça qui hésite? Ah, ils ont chargé les vélites. Il faudrait peut-être que je regarde un peu la bataille, moi. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah, là il y a le général Marc Lépide est ici. Voilà, Lépide est mort, vous rendez compte? Allez, ma cavalerie va venir par derrière. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah, ça c'est des ennemis ça. Alors ma cavalerie elle est où? Je la vois pas. Ah. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Bien. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Bon alors donc là, ils ne servent à rien ceux-là. Mes unités puissantes vont venir par ici. Nous attendons vos ordres. Tableau, trouvez vos cibles. Nous sommes à vos ordres. À cavalerie ennemie. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Légionnaire va venir prendre l'attaque ici, voilà. Celle-là va attaquer là. C'est quoi ça? Lance-missile. Ah, ils peuvent plus lancer les missiles. Mettez-les en pièces.
Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Notre général se fait attaquer! Je vois ce qu'ils font, mes soldats là, mais. Allez, venez vous battre là! Nos hommes fuient le champ de bataille! Bah oui, c'est pas qu'ils fuient le champ de bataille, c'est qu'ils viennent pas se battre! Hein. Ah, ils peuvent pas passer par là, d'accord, j'ai compris. C'est aussi... Le problème, c'est ça, c'est que les villes... Ma cavalerie, maintenant. Viens, au galop. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ah, y'a... La bataille tourne en notre faveur. Je vois ce qu'ils font. C'est là que se passe la bataille. Termine la bataille alors. Termine victoire de justesse, l'ennemi est défait. On a tué, je pense, Marcus Lepidus. Mais je ne sais pas si c'est comme dans Napoléon, s'il est blessé seulement et qu'on le retrouve plus tard ou s'il est mort, je ne sais pas. En tout cas, Lucius, lui, il n'est pas mort. Et on a perdu une unité, j'ai cru entendre. C'est peut-être une unité de cavalerie ici. Voilà, c'est ça. On a perdu une cavalerie mercenaire. Là, et aussi un Emiolia. Voilà, donc on va occuper... Et là, toute l'armée, Légion 1, a été détruite. La garnison, il reste deux unités. Et la flotte aussi. Donc on va occuper... Leptis Magna, après avoir nous avons faim de bataille. La Légion 5 Cyrenaica gagne une tradition militaire et Lucius Antonius prend le rang 3. Voilà. Donc on a. Et en plus, on a donc tué. Comment il s'appelle ? Lépide. Alors, on va bien sûr se débarrasser. De nos mercenaires. Voilà, pour retrouver un petit peu d'argent. Ma flotte va venir à Leptis Magna. Voilà, donc là on s'est débarrassé d'une grande légion romaine. Bon, la bataille. C'était une bataille de ville, donc c'était pas très intéressant. Mais j'ai quand même laissé presque... Oh là là, les légions sont très très réduites.
qu'on va rester sûrement quelques temps ici. voilà. Bon, ça, ça s'est bien passé à ce niveau. Alors, voyons la carte. Hop. Voilà, on avance en Africa. Apparemment, il n'y a pas d'armée ennemie en... pour les deux autres colonies, donc on va se dépêcher. Il y a juste une flotte ici. Et ben, on va même en rester là, parce que le temps, la bataille a duré quand même longtemps pour ce film. Et donc on va effectivement en rester à l'Eptis Magna. Voilà. Et on se retrouve à l'épisode suivant en espérant que celui-ci vous a plu.